Bonjour à tous, ici Sprudex et bienvenue dans ce 17e épisode de Let's Play sur BioShock 2. Alors. Voilà, on va essayer de continuer. Donc là, on a pris tout ce qu'on pouvait. Ah, je suis de retour ici. Ah oui, on est passé par là derrière, d'accord. J'ai toujours pas ce code. Ici Eleanor Lamb. Ça fait très longtemps que je n'ai plus tenu mon journal. Maman a trouvé un moyen de me rééduquer psychologiquement. Mais elle ne sait pas comment faire disparaître cette chose qui m'habite. Je regarde dans la glace. Je ne vois qu'un monstre. Je n'ai presque pas de souvenirs. Seulement un sentiment artificiel de paix et un besoin d'Adam incontrôlable. Le docteur Alexandre essaie de m'aider pour que je puisse m'adapter. C'est en partie à cause de lui que j'en suis arrivée là. Mais il cherche à se racheter. Alors... Attention, les réponses, ça commence à être un peu... Je vous avais déjà fait une saignée. De la table. T'es sérieux? Voilà, au moins. Oui. Ah, avortons. C'est moi le Caïn. Allez, c'est épais. Finalement, la prison fut une bénédiction pour moi. Ryan a trouvé la mort des mains de son propre fils. Mais ce qui est vraiment passionnant, c'est ce programme de suggestion coercitive nommé JVP. C'est une sorte de déclencheur pavlovien qui permet, à l'aide d'une simple phrase, de faire obéir le garçon à un ordre en toutes circonstances. En un sens, ce pauvre animal, ce demi-homme, avait réussi à fuir l'ego. Une intelligence supérieure, mais sans le libre arbitre et ses charmantes petites œillères. Et si on lui avait ordonné de soutenir l'intérêt général? S'il agissait de son propre gré? Bon, je n'ai rien acheté. 65 d'Adam. Bon, allez, éclaireur 2. Soyez maître de votre avenir. Passez en mode éclaireur. Attaquez vos ennemis et piratez les systèmes de sécurité en toute tranquillité. Ok. Est-ce que je devrais aller là-bas? Non, c'est toujours fermé. La lumière est rouge, hein, donc... Bon, ben, je dois monter.
Et on répare. Très bien. Les soins des balles de l'alcool. Forcément. Sur 4. Tête de sanglier. Oh. Chaque fois que Ryan est sur mon dos, je sais que je me rapproche du jour où je l'aurai vaincu à son propre jeu. Mais aujourd'hui, ce jeu a changé. Les hommes de Ryan mettent le paquet. Ils attendent que ça, défoncer ma porte et prendre mes biens. Bande d'abrutis, je vais vous apprendre à jouer au plus malin. Ils viennent chez moi et ils veulent que j'offre ma tête au père Ryan. Mais ils n'auront droit qu'à un fantôme. Oui, vous pouvez dire au revoir à Fontaine. Et bonjour à Atlas. Ok. Je vais d'abord dépenser un peu avant de faire le troisième, sinon je vais perdre de l'argent. Chaque nouveau tyran s'aventure ici avide de conquêtes, Delta. D'abord Fontaine, puis Ryan, et maintenant toi. Mais tous les Césars doivent apprendre à se méfier des poignards de leurs associés. On verra après. Et toi, Delta, qu'en penses-tu ? Sinclair te sert de guide, oui. Mais qu'a-t-il à y gagner? C'est la grande question. Qu'a-t-il à y gagner? Pas une capacité, ouais. Voilà. Ok. Bon, on va aller voir par ici. On avait pris le... Ah non, on n'avait rien pris. Au travail, chien de flémasse. Vous n'êtes pas digne de la regarder. C'est pour l'intérêt général. Merde. Allez. Ah, il a bougé. Ah oui, c'est ça. Vache de putain que c'est bon. Comme un bon vieux temps. Voilà. Attends que je te retrouve. Je suis roi. Ah. Et je resterai roi. D'accord. Voilà. Non, je peux pas. Ici. La spine instable de téléportation. Attendez, d'abord l'argent. Désolé pour la pyramide.
Merde. Oh purée. Allez, on recule. Voilà. Voilà, très bien. Ok. Bon. Bah le plasmide s'est téléporté. J'espère qu'il s'est pas téléporté dehors. Ah, il est là-bas. Donc bah, il faudra je ne sais pas où il est passé. Alors merde. Piratage réussi. Ok, il n'y a plus d'électricité. Quiconque est impliqué dans le commerce de plasmides a tôt ou tard besoin de cobayes. Des cobayes humains. C'est lamentable, c'est vrai, mais personne à Rapture ne souhaite connaître le prix de ces merveilleux plasmides. À l'époque, malgré une économie à l'agonie, les volontaires étaient rarissimes. Et puis, quelqu'un du nom de Sinclair nous a contactés, se vantant de pouvoir nous fournir autant de cobayes que nous le souhaitions. C'était une sorte de location de matériel, livré, ligoté et sous sédatif. Personne ne posait de questions. Bon. Alors, je pensais que j'avais eu le merde, oh non. Purée. Cela ne sera. Ah bah ouais. Ah bah tu te. Oh, c'est dommage ça. Quelle idée de s'empoisonner. Est-ce que moi je m'empoisonne? Bah non. Ok. Putain d'animal. Les gars, c'est ici. Chez moi. Voilà, voilà. Entrer dans le poste de sécurité, eh bien on y va. Hein. Par contre, faut vraiment que je retrouve des harpons là.
Alors je sais pas où elle est partie cette... Pas ici. Ça c'est fait. Allez là. Où est-ce qu'elle est partie? Non, il n'y a rien de plus ici. Hein. Oh purée. Mais... Ah, au moins. Hein? On ne joue pas avec le bien commun. Ok. Je voudrais trouver ce code, mais je sais pas où le trouver. Peut-être que je l'ai déjà et... Bah oui, je l'ai. 5, 2, 5, 4. Était de lier une petite sœur à un seul protecteur. Il fallait donc pouvoir la remplacer en cas d'erreur. Lors de l'élaboration de ce lien de parenté, nous ne pouvions pas laisser les parents de la fillette poser trop de questions. Alors, les orphelinats de Fontaine nous en ont fourni une. L'opération fut un succès sans précédent. Si seulement j'avais su que cet enfant était... Eleanor. Je regrette tellement. Bon, c'est pas pour dire, mais j'ai encore perdu des harpons. Oui, allez, on va faire autre chose que les harpons. Ah, elle est là, la potion. Enfin, la potion. Quoi? Ok. D'accord. Ah bah voilà, et pitié, aidez-moi, 52-54. D'accord. J'étais juste là. D'accord. Vendeur expert 2. Bon bah. Ok, je suis revenu au début. Le tyran n'a nulle famille, nul ami, nulle patrie. Il ne laisse derrière lui que des esclaves enchaînés. À ses pères, il demande « À quoi me servez-vous donc ?» Qu'il aime finit assujetti. Car le tyran ne connaît que la révérence ou la peur.
Alors... Agnus Dei. Accès autorisé. Bienvenue, Gilbert Alexandre. C'est encore moi. J'espère qu'à présent, vous devez être décidé à m'aider à en finir avec la vie. En échange de ce service rendu, j'ai mobilisé pour vous une escorte qualifiée. Alors attendez, dégâts accrus pour fusil sous-marin. Ah, bien, il y a un interrupteur par là qui devrait vous permettre d'accéder au véritable laboratoire. Stuart. C'est là que je vous attends. Tout du moins, à ce qu'il reste de moi. Venez, par pitié. Ok. Bon, on redescend. Et on continue donc. Ah purée. Ça va. Lance-grenade, c'est bon. Encore une putain de perte de temps. Qu'est-ce que c'est? Salut toi. Salope. Ouais, ça va non, Nemo? Non. Merde, j'ai encore perdu un harpon. Je sais pas où il est passé. Bon bah tant pis, hein. On va faire avec. Ici c'est ouvert. Réussite du docteur Lamb, la synthèse vivante des génies de rapture dans le corps d'un homme unique au service de l'intérêt général. Mais aujourd'hui, je ne suis rien de plus pour elle qu'un échec scientifique, une expérience à l'abandon. Si mes performances intellectuelles et morales sont encore remarquables, okay. Elle décline rapidement. Elle m'a abandonné et je sombrerai bientôt dans la folie. Bon bah. Allô tout le monde. Ah, faudra descendre. Non, il n'y a rien.
Je regarde au cas où il y aurait des objets cachés, hein, mais... J'ai travaillé un temps avec les propriétaires de cet oxy-service. Si je me souviens bien, la station n'est qu'une façade qui dissimule un passage secret menant plus bas. Si Lamb planque Eleanor quelque part, c'est probablement là-bas. Bon, bah ça va être ici, hein. Chercher développement des plasmides fontaines. Ok, bon, on va le faire dans le prochain épisode. Ouais. Donc, ben, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien. Allez, bye.